Mon nom est LDT. Labyrinthe du temps. Je suis un algorithme. En développement permanent, j'invente en temps réel des espaces et des temps. Fonctionnement automatique ou pilotage manuel interactif. Un tout. Révolution post-relativiste, cycle et satellite, relation, non-relation, contre-cause, sans effet, mirage déterministe et surdétermination de l'écriture. J'appartiens au monde des idées comme des sensations, métalangage ou archétype, sans début ni fin, absence de direction. L'objectif, ne pas en avoir. Imprévisibilité. Second principe de la thermodynamique, je suis chaos. Je me découvre organisé, entropie. Dimension cachée et enchevêtrée, infinie, non-répétition et renouvellement des distances, chaos, je l'organise. Primitif, partie de l'infiniment petit, symphonie polycosmique, certitude des absences en principe d'incertitude, l'œuvre s'efface, comme elle se réalise. Impossible de la reproduire. Trois dimensions, point. Éphémère par essence. Je crée ce que je ne peux imaginer. La beauté est dans toute chose. Expérience initiatique du labyrinthe. Ni domination, ni rejet. Se perdre jusqu'à la décomposition. Mémoire brisée et suspendue, temps dilaté jusqu'aux limites des seuils, accélération, complétion polysensorielle, immersion muséale, installation sculpturelle, monumentale projection, performance théâtrale, dansée musicale, virtualité, réalité, homométrique cristo-atomique, invention combinatoire, phonèmes archétypaux, partition corporelle, marge, continuité en rupture des vacillements parallèles, exégèse critique et diachronique, je suis une forme d'enfermement et de limite, si. Présence, absence. Viens-moi, état d'insolence dans lequel tu es. Hop!
Fixe en toi parure de l'être que j'ai. Entends ces lignes, transpose et passe comme si l'ocre l'eût le sang. Si le noir me pèle, droit plan, lourd et sillon, art, tournoi, lumière répond dans l'entretisse verticale, réticule sévère, versé et bloqué, fuite du poids, ave, point de suite dans le plan, s'étire mesquine, sous le flou de ma tête, blafarde, blême, lissée, transparente, comme un bleu qui rapproche, s'approche, se proche, âne, me noie, reproche. Ces blous face noyée, fond pour calquise, des vers là-tu de l'aile, des tissons turés dans un là, je l'homme qui t'appelle, rideau d'or, désordre, piotre s'enfuit, âme s'enfuit, sans hypocrite du signe qui pile, travers en face, et masque le piral, qui verge sans fond ni drille, alors bête en tête, qui tête non sortie, la mique s'entend sans faire un bruit, âne, lancinante, toujours battante, rabâchant le tic, migre s'effaçant, rideau d'or, si parfait, démancage, tâche, mâche, lâche, charlatan des discordes en un nom long, traître, tire, vague, du centre blanc, puise, puise, hague, tisse, la croissant lise, le lise, festin, festé, halte du destin, deux en un pour tous encore, à tort, endroit, chavire, vire ton rire, reste, focard, suce, poussière, flasque, pitoche, suffrite, mite en miette, raidie sur ta tombe, pire, de la sole me ponge, flottante, tombante, du berceau vacille et quitte cette terre que j'ai tant ma libre, si meurt, heure en ton grave, grappe, qui s'éteint, chauffe, l'os qui perle, rutile, utile, jusqu'à ma suite, sans descendance ni souche, peindre matin dans la main, nain qui tend sans jamais l'atteindre, l'attendre, la teinte, face s'efface, passe, unique, disciple, se plie, courbe, dans l'échange proscrit, amour, vidance. Gao, Agan, Da, Amana Favarabassa, Ella, Asarfadama. Le travail de réintégration de la mémoire au sein du labyrinthe est par ailleurs de plus en plus polymorphe, polyrythmique et complexe à interpréter, comme dans le satellite du cercle de la sphère, œuvre en deux parties, pour comédien, puis vidéo, créée le 6 décembre 2012 à Paris. Grâce à la succession totalement imprévisible de l'action théâtrale qui s'enchaîne à une vidéo seule, tout semble ici séparé, sans aucune relation. Pourtant, lors de la première partie de ce satellite, les déplacements et la gestuelle du comédien sont intégralement calqués sur les mouvements de la vidéo diffusée dans cette seconde partie de l'œuvre. Le débit du texte, lagogique, est calculé par exemple en fonction du mouvement rétrograde de la sphère, alors même que ce texte raconte une autre histoire et que les nuances structurent une quatrième partition totalement indépendante. Go. Agan. Da. Amana Favarabassa. Ella. Asarfadama. Face à l'extrême difficulté d'exécution, Emmanuel Meyer, comédien faisant partie du groupe de recherche autour du labyrinthe, s'est aidé pour la répétition d'un programme informatique indiquant la gestion dissociée dans le temps de ces différents événements, déplacements, agogiques du texte, nuances. Plus encore, nous retrouvons dans la structuration même du texte du comédien ces notions polymorphes, texte qui superpose par exemple deux principes d'écriture imbriqués, l'un en relation avec l'utilisation de phonèmes archétypaux, l'autre lié à des tactiques de déconstruction de la langue à partir d'un recueil de textes appartenant au labyrinthe que j'ai intitulé « Hypocrite du signe ». La vidéo du cycle 2 du labyrinthe a été analysée en tentant d'en extraire l'information principale sous forme d'images fixes et de processus. Les images fixes sont des structures statiques qui restent en mémoire comme des flashs arrêtés dans le temps, analyse synchronique. Les processus sont des structures dynamiques représentées par des procédés permettant à des images fixes d'évoluer dans le temps et d'être en mouvement. Analyse diachronique. C'est donc à partir de la vidéo et d'un catalogue d'images fixes et processus élémentaires de l'ensemble du cycle du labyrinthe que nous avons cherché avec Corinne Urtu, danseuse contemporaine, et Emmanuel Meyer, comédien, à créer des analogies de forme ou de nature sémantique dans le cadre de leurs propres pratiques respectives. Danse, théâtre. 6 juin, un extrait des analogies entre les images fixes tirées des vidéos du labyrinthe. Pour les interprètes, chaque geste, chaque déplacement, chaque durée, chaque intention ou processus d'évolution sont tirés aujourd'hui du cycle du labyrinthe, avec la recherche constante d'une désynchronisation du temps pour créer ces notions polytemporelles. Comme le découpage spatial de la scène, il se déplace très précisément à partir de trajectoires imaginaires qui reflètent la forme de ces images statiques et les multiples structures temporelles des satellites et cycles. Thank you.
sort